de l'actualité ce matin, la musique à la une. Oh, 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 je de Queens notamment, spectacle musical, concert de l'année, consécration pour ces 31e victoires de la musique, retour sur ce palmarès et sur la manière aussi dont on écoute la musique. Bonjour Alexis Gemini. Bonjour Andy. Vous êtes directeur général de Deezer France, premier site français d'écoute et de musique en ligne, 40 millions de titres, Deezer partenaire des victoires de la musique. Je sais que la nuit a été très courte que vous avez suivi ce palmarès. Merci d'autant plus d'être en direct avec nous ce matin. La profession a voté hier. D'abord, vous faites partie des votants, vous-même Absolument, oui, oui, oui. Euh, au milieu des 687 votes de cette nouvelle édition des Victoires. Absolument, avec des lauréats que je rappelle, Vianney, Yael Naïm, Louane, Les Innocents, Johnny, Maître Gims, The Avener. Est-ce que c'est un palmarès représentatif pour vous des goûts musicaux des Français Tout à fait, il y a un vrai éclectisme dans le palmarès d'hier soir, qui connaît par ailleurs en plus Johnny Hallyday, ce qui faisait particulièrement plaisir. Un hommage à William Scheller, Kenji Girac, Necfeu, oui, toute la musique française est représentée, d'ailleurs c'est celle qui est représentée sur Deezer. Mmh, c'est la diversité, la diversité musicale 2016 Absolument, avec, euh, avec des jeunes, des vieux, du rap, euh, de la pop, euh, du rock, des chansons en français et en anglais, puisqu'on s'est ouvert depuis quelques années à, aussi à chanter dans la langue de Shakespeare, donc un, un vrai beau pas, palmarès. Vous parliez de Kenji Girac, Génération The Voice, deux albums en deux ans, 1 900 000 albums vendus. Voilà. <music> あれ On disait que la génération The Voice allait tout rafler. Il y avait des rumeurs sur la mainmise d'Universal, qui est ce label qui produit notamment Kenji, aussi Luan. Le fait qu'il n'y ait pas de victoire pour Kenji, ça fait taire un petit peu justement ces bruits sur euh, actuellement, euh, les conflits d'intérêts, on va dire ça comme ça. Écoutez, en tout cas, Luan, elle, a remporté une, une victoire et c'est aussi un enfant de The Voice. Non, écoutez, je tire mon chapeau à France Télévisions, à France 2, qui, a le, qui est sportif puisqu'ils invitent les vainqueurs des émissions de la concurrence. Voilà et, et Finalement, M6, TF1, peut-être un jour France 2 avec euh, d'ailleurs l'Eurovision, chacun participe de, du dynamisme de la création française. Donc euh, les victoires, c'est la victoire de tous les artistes français. Il n'y a pas de raison qu'il n'y pas la, les représentants de, de The Voice, vous qui êtes... est un, un véritable phénomène. Ouais, vous êtes bien passé pour le savoir, parce que Deezer oui. est partenaire pour cette année de, de The Voice. Ça veut dire que sur votre plateforme en streaming, euh, on peut retrouver euh, en ce moment euh, en lien euh, les talents euh, qui, euh, chaque samedi soir, ce soir, ça, encore... exactement. tous les samedis soirs, 23h15, mmh. on peut réécouter. En exclusivité sur Deezer, l'intégralité des prestations du, du prime time de, de The Voice, et ce pendant 16 semaines. Vous qui avez créé également, Alexis de Gémini, euh, la chaîne M6 Musique, vous qui êtes à l'origine des émissions Popstar aux Nouvelle Star. ces phénomènes de, de jeunesse, ils sont pour vous durables ou très, très éphémères et liés à, bah, à une génération Les deux, il euh, y a effectivement des artistes qui ont très vite disparu après être nés dans, dans, dans nos émissions de télé-réalité. De de, de concours de chant. Pour autant, euh, quand on voit effectivement le succès d'un Matt Pokora, d'un Christophe Willem, euh, d'une Louane, on a Kenji Girac, on voit aussi qu'ils font euh, de plus en plus partie du paysage français. Et c'est tant mieux, c'est bien, ça, ça élargit euh, les horizons. J'ai euh, sous les yeux la, la une du Parisien avec cette belle photo de Vianney, Vianney, la victoire de la jeunesse. Elle est très représentée, évidemment, cette jeunesse. Il a euh, 25 ans, Vianney, aujourd'hui. Louane en a 19, Christine and the Queens en a 27, Maître Gims en a 29. Euh, c'est la génération euh, ado qui euh, incite aussi les parents. Les grands-parents à écouter ces, ces phénomènes qui fait vivre aujourd'hui euh, l'industrie euh, musicale. Alexis Gemini. Oui, écoutez, euh, en même temps, il y a aussi euh, des artistes plus matures qui vendent énormément de disques. Par exemple. Oh bah je, je, D'abord, il y a les artistes de, de catalogue, mais en l'occurrence, Johnny Hallyday, hier, qui a été couronné pour un album, je crois, a vendu plus de 500 000 disques en support physique et, et marche très, très bien en streaming. Donc, il y a à la fois, et puis encore une fois, William Scheller, hier, il y a les artistes aussi dont on parle moins en média, mais qui font des tournées extraordinaires. La musique, c'est la diversité des supports. Il y a le streaming, il y a la vente physique, mais il y a aussi les, les, les concerts, on en parlera peut-être. Mmh. C'est ce foisonnement qui, qui, je crois, fait que l'industrie finalement continue d'exister. Tout le monde était inquiet que le, que le piratage détruise définitivement la création et aujourd'hui elle a l'air plutôt en bonne forme. Je voulais que vous parliez des, des, des chanteurs confirmés. On va venir sur l'une d'entre elles qui était nommée hier dans la catégorie artiste féminine de l'année, qui n'a pas eu de victoire, mais elle en a déjà eu deux. C'est Véronique Sanson qui chantait aussi en live et qui répond à Johanna Attard, présence pour elle amicale. C'est des soirées où d'abord on voit tous nos vieux potes et on rencontre des nouveaux potes et c'est un partage quoi en fait.

en sont en live encore hier, euh, c'était pour elle 4 concerts par semaine pendant un an et demi. La tournée, c'est pour vous et pour ces artistes-là le prolongement vital d'une carrière, Alexis Géminis C'est le prolongement vital, c'est aussi un moyen pour eux de, de gagner euh, des sous de manière peut-être parfois plus rémunérateur que les ventes de disques. Et puis c'est aussi le contact avec le public. Et, et un besoin que je ressens, moi qui suis dans le monde du digital, c'est que le parallèle au développement du digital, c'est que les gens ont de plus en plus besoin aussi d'aller à la rencontre des artistes dans le monde physique mmh. et donc d'aller au concert. Et euh, malgré les, les difficultés de cette année qui a été euh, difficile pour différents événements, euh, les, les concerts marchent de, de mieux en mieux. Il y a un vrai phénomène autour des tournées et, et donc ça permet de trouver un bon équilibre pour le plaisir de chacun. Ça, c'est très intéressant. Vous êtes euh, directeur général de Deezer France. Je vais vous donner encore un chiffre euh, autour des frérots de la Vega euh, 600 000 albums vendus en deux ans. Écoutez d'abord. Que neige, une planche de salut, vendu métro de son, les yeux rivés. phénomène des télécrochets euh, 60% de, de leurs ventes euh, aujourd'hui se font en, en cd pour les frérots de la vega qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que les, les ados pour vous peuvent faire euh, bah, triompher le cd on a toujours envie d'aller voir dans sa chambre d'ado un album la pochette tout ce qui va avec aujourd'hui tout, tout à fait sachant que les frérots de la vega comme dose de ces artistes ont beaucoup de succès chez les ados mais aussi chez, chez, des, chez un public plus âgé c'est pas juste réservé aux ados en france il y a encore 60% de ventes de, de, physiques de cd le reste oui. c'est le digital entre le téléchargement et le streaming, ça crée un bel équilibre. Et effectivement, quand on écoute de la musique dans son téléphone ou sur son, son ordinateur, parfois on a envie aussi de craquer pour avoir le disque le vrai et de le ramener à la maison. Donc c'est sympa d'avoir les deux, en fait. Vous, c'est l'offre en streaming. Elle continue oui. à croître sur Deezer Oui, absolument. Bah, écoutez, on a aujourd'hui près de 10 millions d'utilisateurs en France. Mmh. Euh, tous les jours, il y a plus d'un million de personnes qui écoutent de la musique sur Deezer. Donc ça, c'est génial. Moi, je, je, je suis très heureux. Combien d'abonnés de... ah, Aujourd'hui, 1,6 million d'abonnés. En France, on est... Le leader du streaming français et on essaye de, de porter la bonne parole dans le monde entier puisqu'on est dans 180 pays dans le monde. Et vous avez de bons arrangements avec la SACEM pour rémunérer les artistes, oui, auteurs, compositeurs. Oui, écoutez, on rémunère. Alors la SACEM rémunère les éditeurs, mmh. on rémunère les producteurs, on même rémunère après les, les artistes. Oui, très simplement, 72% du chiffre d'affaires de Deezer est reversé à l'industrie musicale. Juste pour vous donner un chiffre, même si on est le matin un peu tôt, mmh. 144 millions d'euros, c'est la somme qu'a versé Deezer l'année dernière à l'industrie musicale. Donc quand on écoute du streaming, on finance la création et les artistes. Deezer partenaire des victoires, ça veut dire qu'on va retrouver aussi tous les artistes récompensés sur la plateforme. Écoutez, je, je suis sorti à 3 h du matin et la, la playlist des victoires est déjà en ligne pour tous ceux qui veulent rattraper cette belle soirée. Merci beaucoup, Alexis de Gémini, directeur merci. général de 10 h France, d'être venu en direct après cette courte nuit qui a euh, fait euh, hommage à la diversité de la, de la musique française. Absolument, merci. Wendy, merci de m'avoir accueilli. Et bravo pour votre matinale. C'est très gentil, merci beaucoup.